sur cette Mini Transat 2015. On est le jour 3 déjà. Oui, j'ai pas pu filmer avant parce que c'était assez sportif. D'ailleurs, ça doit se voir, on doit être un peu crado. Je me suis pas séché depuis 3 jours là, pas lavé du tout. D'ailleurs, vous voyez, on fait sécher un peu tout le bazar là. C'est cool, je suis deuxième. Il y a Jan Lipinski à 5000 devant. Et là, on est en train de passer la pointe de l'Espagne, le Cap Finistère. Joe le Pool Pix, il a fini sa vie sur mon bateau. Pour le petit déj de ce matin, un joli petit poulpe. Retourne à la mer, petit poulpe, avec tes copains. Au revoir. Au revoir le poulpe. Bon, c'est le quatrième petit matin, je crois, sur la Mini Transat. Je viens de passer une nuit absolument horrible dans les alizés portugais. Qui sont assez forts. En fait, ils sont pas très forts. Il y a 30 nœuds de vent qui vient pile de derrière. Mais il y a une mer assez énorme. Et du coup, on peut pas mettre de spi. Donc, j'ai les voiles en ciseaux. Vous voyez. C'est pas très joli, mais c'est efficace. À l'intérieur, c'est la piscine quoi. Il y a de l'eau. Vous voyez, il y a de l'eau qui se balade partout. La carte elle est mouillée. Tout est mouillé là. Donc, moi je suis complètement mouillé. C'est vraiment dur et je crois que au terme de classement j'ai vraiment pas été bon là. Donc on verra. Faut pas se démoraliser, la route est encore longue, il reste 700 000 donc je reste mobilisé mais là j'avoue que c'est un moment dur de la première étape là. C'est pas très agréable. Voilà. Bon allez, à plus. Comme il n'y a plus de vent, une fois de léger jusqu'à l'arrivée. Je vais dézinguer ce petit bidon d'eau en douche. Petite douche, ça fait quoi, 6 jours? Ouais, ça va faire du bien. Du matin le 25 septembre 2015, petit point météo, enfin petit point sur la course. Oui, nous sommes partis d'ici, nous avons traversé le golfe de Gascogne, descendu le long du Portugal et nous voilà quelque part en face du Maroc. Donc ça y est, on a quitté l'Europe. C'est une dernière nuit plein de tension parce qu'il y a Charlie qui est quelque part derrière, je l'entends à la VHF mais je sais pas où il est. Et il se rapproche grandement de moi à vitesse grand V, donc c'est assez stressant. Donc il va falloir être dessus cette nuit et voilà, normalement demain matin on devrait approcher les Canaries. C'est une super arrivée, c'était un départ magique. C'était incroyable le départ et l'arrivée c'est magique aussi. Donc faut arriver de l'autre côté maintenant.